congolaises, congolais. Les forces armées recrutent. Pour répondre à la mobilisation générale décrétée par le président de la République et commandant suprême, venez massivement vous enrôler au sein des FARDC pour défendre la patrie. Pour ce recrutement, les conditions exigées sont les suivantes. Être de nationalité congolaise, être âgé de 18 à 25 ans, être célibataire, sans enfant et volontaire, avoir une bonne moralité, avoir fait au moins 4 postes primaires, être physiquement et mentalement apte, être sans antécédent judiciaire. La force aérienne recrute les candidats pilotes et techniciens d'aviation et la force navale les candidats fusiliers marins et autres techniciens de la marine. Présentez-vous dans les états-majors des régions militaires, de la force aérienne, de la force navale, au bureau des territoires et partout où se trouvent les structures de l'armée pour se faire enrôler. Pour la ville province de Kinshasa, le recrutement se fait à la grande parade du camp lieutenant-colonel Kokolo et dans les maisons communales de Massina, Mongafula et Barumbo. La patrie a besoin de ses dignes filles et fils pour sa défense. Hâtez-vous. Boya ebele totombola bendele ya mboka na biso. Le chef d'état-major général adjoint en charge de l'administration et de la logistique, le général-major Kasonga Tshibongo Léon Richard, a présidé ce mercredi 27 septembre 2023 une importante réunion entre les FARDC quelque part venus pour appuyer la mise en œuvre du plan de la réforme des FARDC. Ses partenaires constitués de l'Union européenne, de la MONUSCO, de la Banque mondiale, de l'Institut d'Alert et autres ont échangé avec le général Kasonga en présence du général de brigade Bolenge Didier, conseiller à la réforme du chef d'état-major général. Le cadre logique de la mise en œuvre des activités de la réforme de notre outil de défense a été au centre de cette rencontre. Pour le général Bolenge, cette rencontre fait suite au séminaire d'évaluation du plan de la réforme tenu au mois de juin dernier pour la réalisation des actions phares de ces plans. Et cette fois-ci, nous avons tenu pour la première fois à tenir cette réunion à l'état-major général. Parce que l'état-major général, c'est elle en fait, qui est la cheville ouvrière de la réforme. Au mois de juin dernier, nous avons tenu en fait un séminaire d'évaluation. Nous avons évalué. À l'issue de cette évaluation-là, il y a des recommandations qui ont été formulées. Des réformes parmi lesquelles la réalisation de certaines actions phares dans le cadre du principe de subsidiarité, là où les pouvoirs publics se sont arrêtés et les partenaires qui sont compétents. Je crois que ce n'est pas quelque chose de tabou, ce n'est pas un miracle. Ça se fait partout, dans tous les pays du monde. Communiqué de presse. Il est porté à la connaissance de l'opinion tant nationale qu'internationale que nonobstant le respect du cessez-le-feu par les forces armées de la République démocratique du Congo, comme l'exigent les différents accords des chefs d'État de la communauté des États d'Afrique de l'Est, les terroristes du M23 appuyés par l'armée rwandaise s'évertuent à saboter les 10 accords. En effet, c'est depuis l'adresse de Son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise à la tribune des Nations Unies, à l'occasion de la 78e session de l'Assemblée générale, adresse au cours de laquelle l'autorité suprême a réaffirmé le refus de tout dialogue direct avec les terroristes du M23-RDF. Ces derniers ont réoccupé des localités jadis abandonnées dans le cadre du cessez-le-feu. Il s'agit en l'occurrence des collines de Kibalizou, Kabalakasha,
Kirumbu Bukombo, Bugogwe, Busumba et Burungu en territoire de Masisi, la colline de Ruunda et Kibumba en territoire de Nyiragongo. Ce mercredi 27 septembre 2023, dans la matinée, ces terroristes ont tenté de s'installer encore sur la crête Kanyama-Oro à Kibumba, allant jusqu'à placer le contingent kenya de l'EAC derrière ces lignes. Il a fallu la pression des forces armées de la République démocratique du Congo et la dissuasion de la force régionale de l'EAC pour que ces derniers se retirent. De ce fait, les forces armées de la République démocratique du Congo considèrent cet acte comme une énième provocation et appellent la communauté nationale et internationale, la communauté des États d'Afrique de l'Est, le mécanisme conjoint de vérification élargi, ainsi que le mécanisme ad hoc de vérification, de tirer toutes les conséquences irrelatives. Toutefois, les forces armées de la République démocratique du Congo informent qu'elles sont prêtes et déterminées à parer à toute éventualité. Fête à Goma, le 27 septembre 2023. Une étude réalisée au corps de santé militaire sur les causes des décès au sein des forces armées de la République démocratique du Congo. Cette étude a montré que 30% des décès étaient dus aux maladies cardiovasculaires, dont la principale cause était l'hypertension artérielle. Mon étude sur l'hypertension artérielle, sur le non-contrôle de l'hypertension artérielle à l'hôpital militaire central, a montré que 72,1% de militaires hypertendus suivis à l'hôpital militaire central n'étaient pas contrôlés. C'est ce qui a fait que nous puissions choisir les thèmes sur l'hypertension artérielle, enfin de prévenir les militaires et puis de limiter les complications cardiovasculaires auprès des militaires déjà hypertendus. J'appelle à tous les militaires d'adopter une meilleure hygiène de vie afin de prévenir l'hypertension artérielle et d'en limiter les complications. Pour nos autorités, je leur demande de soutenir les programmes militaires de contrôle des maladies cardiovasculaires pour faciliter la compréhension à tous les militaires, même aux soldats. Oui. Je vais vous répondre par des termes faciles. On doit comprendre le rôle des artères, le rôle de la pression artérielle dans l'organisme. Donc les artères ont pour rôle d'acheminer le sang du cœur vers les organes. La pression artérielle, c'est la pression exercée par le sang sur la paroi des artères. Alors pour que le sang circule dans tout l'organisme, il faut un niveau minimal de la pression artérielle. Sans cela, le sang ne va pas circuler dans tout l'organisme. Alors si cette pression s'élève à un niveau élevé, on parle de l'hypertension. Alors pour les médecins, l'hypertension artérielle, selon l'Organisation mondiale de la santé, selon la Société congolaise de cardiologie, on parle de l'hypertension artérielle quand la pression artérielle est supérieure ou égale à 140 sur 90 mm de mercure. Ou encore, soit si la pression artérielle systolique, c'est-à-dire la pression pendant la contraction du cœur, pendant que le cœur pompe le sang, cette pression est supérieure ou égale à 140 mm de mercure, soit si la pression artérielle diastolique, la pression pendant que le cœur se relâche, est inférieure à 90 mm de mercure. C'est alors qu'on parle de l'hypertension artérielle. Pour parler de la cause, de l'étiologie de l'hypertension, il faut d'abord distinguer deux types de l'hypertension artérielle. Dans 90% des cas, on a une hypertension artérielle essentielle, qu'on appelle hypertension artérielle primaire. C'est-à-dire là, il n'y a pas de cause. C'est une hypertension qui vient avec l'âge. Après l'âge de 40 ans,
on a l'hypertension artérielle, on cherche l'étiologie, on ne trouve pas. Ça, c'est une hypertension artérielle primaire, c'est dans 90% des cas. Dans 10% des cas, on a une hypertension artérielle secondaire. Là, on peut trouver les causes rénales comme sténose des artères rénales, une glomérulonéphrite, une polykystose rénale autosomique. On peut trouver des causes endocriniennes comme l'hyperaldostéronisme primaire. On peut trouver des causes médicamenteuses comme la prise des anti-inflammatoires non stéroïdiens, exemple les dolarènes que vous prenez, les Ibicap. Il y a certaines substances comme la cocaïne. Après l'âge de 40 ans. Séance au motif que les conseils du prévenu François Béat Kasonga avaient soulevé une exception d'inconstitutionnalité. La haute cour militaire a clos les débats mardi 19 septembre 2023 à Kinshasa, dans la cause auditeur général, ministère public, le général de brigade Basile Babine Manteto Jean. À cette audience, la haute juridiction militaire a reçu le plaidoirie des avocats du prévenu qui sollicite l'acquittement pur et simple de celui-ci. Pour la défense, le général Basileba, avocat général des forces armées, ne pouvait pas être jugé par la haute cour militaire sans qu'il ne soit déféré par le conseil supérieur de la magistrature. Et ce, conformément à la loi portant organisation et fonctionnement de la cour de cassation. Le ministère public avait requis la peine de 20 ans de servitude pénale principale contre le prévenu Basileba pour tentative de procurer les moyens pour faciliter l'évasion du condamné commissaire supérieur Kenga Kenga Christian de la prison militaire d'Indolo. Il s'agit, selon l'organe d'accusation, de deux sacs contenant notamment des armes que le général Basileba a remis au directeur de la prison afin de transmettre au condamné. La haute cour militaire, après examen de ces faits, a promis de rendre son arrêt définitif dans le délai de la loi. C'est séance tenante que nous apprenons. Les prévenus à détention sollicitent la liberté provisoire. Qu'à cela ne tienne, d'abord nous voulons, avant de donner notre avis, préciser deux choses. Nous avons entendu les prévenus Guy Vand à soutenir pour avoir été envoyé à l'hôpital sur base d'un arrêt, ce qui n'est pas vrai, parce que l'arrêt en question n'a jamais été pris, n'existe jamais. Les deux prévenus auraient dû soutenir que la demande de liberté provisoire, c'est un droit garanti. La liberté provisoire, ce n'est pas un droit acquis. Sinon, alors, pourquoi ils viendraient devant vous solliciter cette liberté-là, c'est un droit acquis. Mais, comme nous vous avons dit, on nous a mis dans l'impossibilité de donner notre avis. Étant dans ces conditions-là, nous nous référons seulement à votre sagesse. C'est à vous d'apprécier. Quelle est la solution ou quelle est la réponse que vous allez voir donné à ces répètes-là, nous avons dit. Le général-major Peter Chirimwami tient désormais les rênes du gouvernorat du Nord Kivu en qualité de gouverneur intérimaire. Il a été installé à ses postes et présenté à la population par le général-major Itchali Gonzandourou Jacques, chef d'état-major général adjoint chargé des opérations et renseignements, ce 19 septembre 2023 à Goma dans une cérémonie officielle et publique. Ce, après la lecture de l'arrêté ministériel signé par le vice-premier ministre, ministre de la Défense Jean-Pierre Bemba, du message télégramme, mais aussi du PV d'installation, tous lus par Pierre Ovid Elité, directeur des cabinets du gouverneur. Nous, lieutenant général Chiwewe Songesa Kissian, chef d'état-major général de forces armées de la République démocratique du Congo, en exécution de l'arrêté ministériel numéro VPM, barre, MDNAP, barre, CAP, barre, 021, barre, 2023, du 16 septembre 2023, portant désignation à titre intérimaire du gouverneur militaire du Nord Kivu.
avons procédé ce jour à l'installation du général-major Thierry Mouami Kouba Peter, matricule 1-67-96-75-33-050 en qualité du gouverneur militaire à l'intérim du Nord Kivu. Le général-major Itiel Gonzandourou Jacques a par l'occasion appelé la politisme de l'armée. Il a invité le gouverneur à installer à l'écoute de la population et a invité par la suite la population à l'amour de l'armée. Vous y allez parce que vous êtes au service de la nation et c'est un service commandé. Vous ne pouvez pas dire qu'aujourd'hui j'ai choisi tel, jamais. Nommés, désignés, à vos ordres, ils viendront, ils vont faire leur travail. Cessez ces histoires-là d'impliquer les militaires dans des histoires tribalo-ethniques, tout ça, non. Cette cérémonie a été marquée par la remise des clés des bureaux et du sceau du gouvernorat de la province du Nord Kivu. Retenez que le général-major Peter Thierry Mouami joue l'intérim du lieutenant-général Constant Dima Kumba, rappelé à Kinshasa il y a peu après les événements sanglants du 30 août 2023 à Ndosho, dans la ville de Goma. Un jour après son installation, le gouverneur intérimaire et commandant des opérations au Nord Kivu a effectué ce mercredi 20 septembre 2023 une visite d'inspection sur l'axe Goma-Kibati-Burumba en territoire de Nyiragongo. Le général-major Peter Thierry Kouba a été sur les différentes positions avancées des FRDC pour matérialiser la mission lui confiée par l'autorité suprême et voir comment se comportent les hommes de troupes sur les lignes de front. Ça veut dire que je suis en train de matérialiser la vision de l'autorité suprême qui m'a été transmise par les billets du chef d'état-major général, en passant par le vice-premier ministre de la Défense. Ils m'ont demandé que la priorité, c'est venir voir comment se comportent nos hommes à la ligne de front. Même si nous sommes dans une situation de cessez-le-feu, il fallait que je me rassure que nous sommes prêts. Nous sommes en train de... Vous savez que l'armée, c'est l'instrument de la politique. Nous nous comportons en fonction des instructions du politique. On ne nous a pas demandé de venir attaquer. On nous a demandé d'observer les cessez-le-feu. Si les M23 tient à violer les cessez-le-feu, c'est leur problème. Ça sera vu devant tout le monde et au niveau international qu'ils ont violé les cessez-le-feu. Mais nous, de notre côté, nous faisons notre travail en respectant les instructions de la hiérarchie. À la population, le gouverneur ad intérim du Nord Kivu a demandé de développer une approche qui doit changer la perception des choses vis-à-vis des militaires. Il n'y a pas un problème entre l'armée et la population. Il y a eu des incidents entre les Congolais et nous pouvons corriger des erreurs entre nous. Et c'est pour cela que j'ai été dépêché par la hiérarchie pour qu'avec la population, nous puissions développer une approche qui va changer la perception. Nous sommes des Congolais, c'est notre pays. Ce n'est pas les Rwandais qui vont venir changer la perception, c'est nous. Ou parce qu'il y a eu des incidents entre nous, la population ne va pas aller au Rwanda pour devenir des Rwandais. Entre nous, on va corriger, c'est entre nous, il n'y a pas de problème. Après la stabilisation et la consolidation de l'appui dans certains territoires de l'Ituri par l'administration militaire sous le commandement du lieutenant-général Luboyen Kachoma Djouni, place à présent au développement. Dans l'objectif de respecter les instructions du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, de voir tout Congolais participer pour la reconstruction du pays, l'opérateur économique et notable du territoire de Djougou, Atandele Bachebandei, se lance dans plusieurs actions sociales en faveur de la population de la zone minière. Le tronçon routier Mungwa-Luyedi, long de 55 km jadis, dans un état de dégradation très avancé, un parcours de combattants pour les usagers est à ce jour en pleine réhabilitation, un motif de joie pour le chef du groupement Chibi Chibi. Nous rendons grâce à Dieu et nous remercions le gouvernement provincial de nous avoir envoyé un partenaire sérieux. Et nous l'accueillons les bras ouverts. Nous savons qu'il est en train de réhabiliter la route Lodjo et Yedi et nous les soutenons.
La jeunesse de Plito et de Mabilindei bénéficie également des deux terrains de football de la part de ses dignes fils de l'Itouri. Cette marque de reconnaissance est exprimée par les présidents de jeunes de la contrée. Vraiment, c'est une très grande satisfaction. Nous disons vraiment un grand merci à notre patron de la société sous les palmiers parce qu'il a accepté notre demande et il l'a réalisé aussi. On a beaucoup souffert, on a fait des demandes partout, par-ci, par-là. On n'avait pas de réponse, mais aujourd'hui, il a accepté, il l'a fait. Au volet de la territoriale, le chef de localité de Yedi est doté de deux motos pour les itinérances, y compris des tronçonneuses pour l'autofinancement de son entité. Plus de 3000 jeunes de la région de Mungwalu et d'ailleurs sont employés par ces notables dans différents métiers. Une manière pour cet artisan de développement d'encadrer cette jeunesse au lieu de les enrôler dans les rangs de groupes armés. Aussi, deux personnes déplacées d'ici de l'ISP Bounia en difficulté pendant plusieurs semaines trouvent solution à leur calvaire grâce à l'opérateur économique Atandele Badjebandei. En effet, deux milliers de bois de chauffage sont mis à leur disposition. Ce n'est pas tout. La commune rurale de Mungwalu est dotée d'une ambulance, une première dans l'histoire de cette cité minière. Et c'est sans quelconque frais de paiement. Au regard de ces bilans positifs, la chancellerie des ordres nationaux a décerné un diplôme de mérite en qualité d'honorable dignitaire à ses dignes fils de l'Itouri pour de loyaux services rendus sur le plan de développement dans cette partie du pays. Monsieur Atandele Badjebandei doit servir d'exemple à d'autres fils et filles de l'Itouri. Ce vendredi 22 septembre 2023, le service de sécurité a présenté au commandant place 12e région militaire 13 capturés de la milice Mobondo lors des opérations dans le secteur Lulalumene, territoire de Kimvula, province du Congo central. En effet, fin mois d'août 2023, les éléments du groupe se prénommant Mobondo se sont coalisés pour mener une attaque sur un village appelé Final, causant la mort de paisibles citoyens. 18 personnes tuées, dont un militaire. De suite de cette attaque, au ratissage, 13 Mobondo ont été capturés. 6 miliciens originaires du territoire de Popokabaka, 1 du territoire de Kwasongo-Lunda, tous de province de Kwango. 6 autres du territoire de Kimvula, province du Congo central. Avec eux, 4 armes à feu calibre 12, un panneau solaire, un colis de gris-gris. Après ceux, ils ont été conduits à l'auditorat militaire pour être acheminés à la prison centrale de Matadi. La journée du vendredi 22 septembre 2023 marque la clôture de la formation de 2 semaines sur le renforcement des capacités des cadres instructeurs et des stagiaires des différentes écoles militaires de la place Moanda. Formation délivrée par les éléments français résidant au Gabon dans le cadre du détachement d'instruction opérationnelle d'infanterie DIO en sigle et de la mission commune aux forces armées MICFA en sigle. La cérémonie de clôture était chapeautée par les commandants du groupement d'écoles militaires spécifiques, le représentant du commandant de la base militaire de Kitona et place Moanda. Du côté congolais, au nom du commandant Baki, je suis représenté. Nous remettons les cadeaux au responsable de Dio Mikfa pour sa disponibilité dès qu'on a besoin de lui. Merci, mon général. Toujours au nom du commandant Baki, empêché représenté ici, nous remettons les cadeaux représentant au chef du DIO infanterie pour sa disponibilité. Merci, mon cher. Au nom du commandant du groupement des écoles militaires spécifiques, du commandant de l'école d'infanterie et de toute l'unité, je voudrais remettre ce cadeau au chef de la délégation de l'infanterie pour sa disponibilité au service.
chez les éléments français du Gabon. Et comme toutes les fois que vous venez ici, à la fin de la formation, nous vous remercions pour votre disponibilité. Dès qu'un exercice pareil est programmé, vous n'hésitez pas de venir. Et nous vous remercions sur ça. Et pour terminer, alors je déclare clos les duos infanterie et mitfa d'aujourd'hui. Merci beaucoup.